En soi, oui, je rigole, mais ces routines, je pense qu'elles sont loin d'être mauvaises et elles sont dans un but bénéfique, elles sont partagées, je pense aussi, dans un but de pouvoir aider les gens. À savoir que les gens dans ces vidéos, c'est en généralement leur métier, soit ils travaillent dans le bien-être, soit ils travaillent sur les réseaux sociaux ou sont auto-entrepreneurs et donc peuvent adapter un petit peu leur emploi du temps par rapport à leur vie et n'ont pas d'horaire fixe, tandis que ceux qui vont être en bureau ou qui vont avoir des enfants à conduire à l'école, etc., vont pas forcément pouvoir les faire. Tout le monde ne peut pas se lever à 6h du matin et enchaîner une morning routine et enchaîner le travail et enchaîner le soir avec par exemple une vie de famille. Donc pour moi, une bonne morning routine, c'est celle qui va s'adapter à votre vie, parce que ce que quelqu'un va faire sur soi peut marcher, mais si vous réessayez de le faire sur vous, ça va pas forcément marcher parce que vous ne fonctionnez pas de la même manière. Donc l'objectif, c'est plutôt de trouver vous comment vous fonctionnez, une morning routine spécialement adaptée à vos besoins et à votre rythme de vie, et c'est peut-être comme ça qu'en plus vous allez savoir la tenir dans le temps. Parce que oui, honnêtement, quand on regarde ces vidéos et qu'on essaie de le faire, est-ce que tout le monde arrive à tenir 6 mois à 1 an complet en faisant ça de manière régulière? Dites-moi en commentaire. Donc mon but aujourd'hui, c'est de vous apporter différentes petites clés et étapes afin de créer votre propre morning routine. Et en fin de vidéo, je vous partagerai la mienne qui fonctionne en fonction de mon rythme de vie, en fonction de mes besoins et qui ne marchera pas forcément pour tout le monde. La première étape, vous connaître. Si vous ne vous connaissez pas, comment vous pouvez adapter des choses à vos besoins si vous ne savez même pas les besoins que vous avez? Donc déjà, définissez pourquoi vous cherchez à avoir une morning routine. Est-ce que c'est pour essayer de caler un temps pour vous? Est-ce que c'est pour essayer d'être plus productif? Est-ce que c'est pour essayer de caler un petit peu quelque chose avant le travail ou avant les cours pour éviter le cercle du métro, boulot, dodo? Est-ce que vous êtes plutôt du matin ou du soir? Également de savoir combien d'heures de sommeil vous avez besoin, parce que pareil, si vous vous levez très tôt mais que vous vous couchez tard alors que vous avez besoin de 8-9 heures de sommeil, ça va être très compliqué de tenir le rythme également, et vous allez juste cumuler plus de fatigue. Donc au début, vous serez content, vous allez avoir plein d'énergie parce que vous allez tenir sur les nerfs, donc c'est top, mais au bout d'un moment, vous allez vous essouffler et juste vous fatiguer, et ça ne marchera plus du tout. Donc vous listez un petit peu tout, vous calculez un peu. Par exemple, pour ma part, je sais que je suis plutôt du matin, dès qu'il fait noir, j'ai beaucoup moins d'énergie, mais je suis pas non plus du matin à l'extrême où je vais me lever à 5-6 heures, sauf si je me couche à 21h la veille, et c'est pas forcément évident de se coucher à 21h tous les soirs si tu veux aussi profiter, faire des trucs, sortir, aller au resto. Je suis plutôt team du matin, mais pas trop. La deuxième étape, maintenant que vous savez vos besoins, c'est les adapter à votre planning. Parce que oui, vous avez peut-être des besoins, c'est bien, etc., mais vous avez aussi peut-être un travail ou une vie de famille qui vous ne permet pas de faire ce que vous voulez et qui fait que vous allez dépendre donc d'horaires. Si vous êtes plutôt du matin, que vous avez des enfants qui dorment un peu le matin, peut-être que vous profitez de ce moment pour avoir un instant pour vous, un instant de calme, et ça peut être le meilleur moyen de le caler là. Si c'est pas votre cas, si vous avez des enfants qui se réveillent tôt, que vous devez vous lever tôt pour aller travailler, et que mettre un réveil 2 heures avant de partir, ce serait trop fatigant pour vous, à ce moment-là, faudra peut-être juste vous mettre une petite demi-heure pour vous le matin, et prolonger un peu le soir pour faire d'autres activités qui vont correspondre à vos envies du moment aussi, de partager votre temps comme ça entre le matin et le soir. Si vous avez plusieurs jours de repos dans la semaine ou plusieurs jours où vous pouvez commencer plus tard, peut-être profiter de ces moments aussi pour vous accorder un petit peu plus de temps en dehors de ce que vous ferez tous les matins en vous réveillant, vos activités, etc. Parce que cette morning routine de That Girl, c'est aussi au final l'idée d'avoir des moments pour vous où vous vous recentrez sur vous, loin des écrans, et où vous faites des activités, des choses qui vont vous faire du bien autant à votre corps qu'à votre esprit. Troisième étape, la nourriture. Effectivement, sur toutes ces vidéos, on peut voir pas mal de jus vert ou de petits déjeuners assez gourmands ou assez lourds en vrai, parce que ça peut être des pancakes, ça peut être des avocats de toast, des petites choses comme ça. Au niveau de tout ce qui est jus et cru, honnêtement, si vous avez une digestion qui est pas facile ou vous ballonnez facilement, un estomac assez sensible, je vous déconseille fortement déjà de base de manger du cru, parce que ça va demander beaucoup plus d'énergie à votre corps pour pouvoir digérer correctement. Si vous aimez bien les fruits, n'hésitez pas à manger des fruits qui vont être cuits, et n'hésitez pas aussi à prendre une boisson chaude en même temps que votre petit déjeuner, ou tiède. Si vous avez une superbe digestion, aucun problème de ballonnement, et que ça change rien votre vie, bah franchement, faites-vous plaisir, mangez ce que vous voulez.
Ensuite, pour les personnes qui n'aiment pas manger le matin, je sais que c'est pas forcément évident pour tout le monde. Moi, pour ma part, j'ai toujours mangé le matin. J'en avais trop besoin, j'ai toujours très faim. Mais je sais qu'il y en a que ça dégoûte, surtout au réveil pour certains. Le fait de manger le matin, ça va vous permettre une meilleure concentration. Donc par exemple, si vous êtes en cours, c'est déjà pas évident d'aller en cours parce qu'on se fait un petit peu chier assis sur une chaise toute la journée. Si en plus de ça, vous avez rien dans le ventre, ça va être encore plus compliqué de suivre quoi que ce soit. Vous allez juste avoir envie de dormir. Si vous aimez pas manger en vous réveillant, ce que je conçois, ne vous obligez pas à écouter votre corps. Par contre, faites-vous une petite collation que vous allez pouvoir emmener avec vous, tout simplement en cours ou au boulot, et de manger 2-3 heures après vous être réveillé. Quand vous avez un petit creux de milieu de matinée, c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir manger pour vous aider à vous concentrer. Le but, c'est vraiment de réapprendre et se reconnecter à son corps, à ce dont il a besoin et à ce qui vous fera du bien. Donc maintenant que vous savez à quelle heure vous devez vous lever, maintenant que vous savez à peu près ce que vous allez manger, quand vous allez manger, il y a cette partie qu'on voit sur toutes ces vidéos, c'est la fameuse séance de sport. Oui, du sport. Dans ces vidéos, encore une fois, on voit énormément de vraies séances de sport, de 20 à 30 minutes, voire parfois plus longtemps, qui vont être souvent de pilates ou de yoga. Certains d'entre vous peuvent peut-être être découragé en regardant ça. Pour leur défense et pour la défense de cette vidéo, je fais partie de cette team qui aime bien faire une séance de sport, de pilates. J'adore le pilates, j'en fais énormément. Donc c'est vrai que je vais plutôt, moi, dans ma routine, inclure 20 minutes de pilates sur un tapis en faisant du sport. Mais ce n'est pas obligé pour tout le monde. Le sport peut être, encore une fois, plein de choses différentes. Le but recherché, c'est vraiment juste d'aller bouger un petit peu votre corps, parce que si vous êtes sur un ordinateur et que vous êtes assis toute la journée, vous allez prendre certainement une mauvaise posture, vous allez pas travailler les muscles, le corps il n'est pas fait pour être assis autant de temps, surtout que le soir vous rentrez chez vous, en général on se pose pour manger, puis dans son canapé devant un film, devant une série, devant un truc, et on a toujours cette fameuse position assise un petit peu recroquevillée, la tête un peu en avant. Voilà, le but c'est aussi de s'entretenir un peu, pas forcément pour avoir le summer body ou je ne sais quoi, donc ça va juste être de faire en fait au final un peu de mobilité. Donc ça peut être, si vous voulez rester chez vous, être sur un tapis, juste faire quelques étirements, quelques petits exercices de musculation mais très léger, vous n'allez pas être en sueur ou en souffrance, histoire juste de retravailler un petit peu certaines zones qui ne travaillent pas correctement durant la journée, qui vont être trop tendues ou alors trop relâchées. N'importe quel sport, c'est déjà super bien. Mais voilà, juste un petit peu de mobilité le matin, un petit peu de marche, aller prendre l'air, aller faire du vélo ou aller au boulot en vélo, ça peut être aussi super. Et là, dernière étape, mais pas des moindres, et ces affirmations positives alors. Parce que c'est vrai, dans beaucoup de ces vidéos, on voit la partie journaling, où la personne va donc écrire des affirmations positives, des choses pour lesquelles elle est reconnaissante, etc. Je pense vraiment pas que ce soit une mauvaise chose, parce que pour certaines personnes, ça marche super bien de faire ça. Si ça marche pour vous, mais c'est top du top, et bien faites-le si vous sentez que ça vous fait du bien. Si vous êtes dans mon cas, de 1, j'ai la flemme, honnêtement. L'intérêt de ces affirmations, c'est de démarrer votre journée avec un moment qui est au final positif. C'est démarrer avec quelque chose qui vous fait du bien, qui va vous mettre peut-être de bonne humeur. Ça peut se faire à travers plein de choses différentes. Donc déjà, première chose, d'éviter au réveil toutes les choses qui vont être anxiogènes. Donc tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est les informations pendant le petit-déj, vaut mieux éviter. Évitez aussi les écrans. Par contre, je suis la première à le faire, je sais que c'est pas évident. Mon réveil sonne, je prends mon téléphone, je vais aller regarder les réseaux sociaux, etc. Surtout qu'avec le décalage horaire entre ici et la France, ben, c'est la première chose que je vais faire, c'est voir un peu les nouvelles de mes amis, de ma famille, des choses comme ça. Ce qui s'est passé un peu en France dans les 6 heures avant que je me réveille. Mais essayez de pas le faire juste tous les matins, essayez de vous garder vraiment de temps en temps un moment où vous bannissez ça. Ce qu'on veut, c'est ce moment positif. Donc déjà, on bannit le côté négatif anxiogène. Et ensuite, on va apporter du coup une dose de positivité, et ça peut se faire à travers tellement de choses. Et ça peut être à travers de la musique, vous allez pouvoir chanter, vous allez pouvoir danser. En plus, danser, mobilité, vous voyez un petit peu le truc, vous allez un peu bouger votre corps aussi. Ça peut se faire aussi à travers un truc beaucoup plus calme, si vous n'êtes pas trop du matin, qu'il faut un peu y aller en douceur. C'est plus mon cas. Vous pouvez très bien aller juste vous poser avec un livre et lire quelques pages d'un livre que vous aimez bien. Faire un truc plutôt artistique, enfin voilà, vraiment juste un moment qui vous apporte du bonheur, qui vous permet de vous évader un peu et qui vous permet de vous réveiller un peu en douceur. Je vais donc maintenant vous partager ma morning routine à moi, qui correspond à mes besoins, à ce que j'aime et à ce qui me fait du bien. Et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye! Bon, je sais, on avait dit pas de réseaux sociaux au réveil. Mais comme tout le monde, je ne suis pas parfaite et moi aussi ça m'arrive dès le matin d'être sur mon téléphone.
Driving hard and learning all the time. Schemes of all kinds, filled with vitality. Nothing could push me to the sidelines. When it came to romance, everything would shift. Reply was good.